Bonsoir ma communauté, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Alors, donc aujourd'hui, je suis à Toumodi. Voilà, donc regardez l'évolution de nos différents poulets. Regardez, voilà, eux encore, ils sont arrivés. Et je vous affirme que Poussikensi aussi sont arrivés. Voilà, donc il y a seulement que 2 jours entre les âges. Voilà, donc voici comment ils sont. Donc, avec la technique des pros, je dis bien avec la technique des pros, les poulets sont toujours en bonne santé. Vous voyez, regardez bien, regardez bien. Les normes de la construction ont été respectées. Et maintenant, ça dépend de la manière dont on a disposé les matériels. Que vous voyez qu'il y a encore de l'espace. Certaines personnes, compte tenu de l'aide, comment on appelle ça, de la manière dont ils manipulent les instruments de travail, par exemple les mangeoires et les abreuvoirs, tu vas voir que dans la ferme, souvent même, il n'y a même pas de place. Ça veut dire toi-même, tu rentres dedans, même tu es gêné. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon du tout. Il n'est pas bon du tout d'être gêné dans une ferme. Regardez, bien ici. Voilà, à ceux, ils sont dans le nombre de 1000. Ils sont 1003. Regardez, quand on les voit, on a l'impression que l'endroit... Oh, faut arrêter, appelle là. Tu dis que tu es en train de travailler d'abord. Je vous ai dit, quand vous travaillez là, quand, même si on vous appelle, ne décrochez pas d'abord. Mais travaille d'abord. Quand tu laisses le travail et puis tu décroches le téléphone. Ou bien appelle à plus important que ce que tu es en train de faire. Toi d'abord avant le travail. Je ne vais plus jamais voir quelqu'un décrocher le téléphone alors qu'il est en train de travailler. Tu as fini de servir. C'est ce que vous allez faire, vous allez... Regardez, hein, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont petits. Quand vous servez l'eau ou bien manger là, souvent là, elle dit vous ne servez pas tout, vous faites quelque chose. D'ici vous allez finir là, ceux qui sont costauds, costauds là, eux poussent les petits là pour manger. Ça veut dire qu'ils grossissent tous les jours. Donc quand c'est comme ça, il faut remplir en même temps. Et tout ça, ils vont manger au même moment, ils vont grandir au même moment. Si vous ne remplissez pas ça au même moment là, je vous affirme que d'autres vont grandir, d'autres vont devenir petits. C'est ce que vous avez fait dans l'autre ferme là. Vous pensez que je n'ai pas remarqué? Quand vous travaillez, travaillez dur, servez vite l'eau, servez vite l'aliment. Et quand c'est comme ça là, ça les aide à se développer. Non, 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 non.